وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيماً Au début du 8e siècle, l'islam semble définitivement établi comme une nouvelle religion. Jean de Damas, Jean d'Amasène, qui fut haut fonctionnaire chrétien à la cour du calife, rédige un important traité considérant l'islam, la doctrine des ismaélites comme une hérésie du christianisme. C'est-à-dire que moins d'un siècle après la mort de Mahomet, une ambiguïté demeure. Pour moi, cela reflète le fait que Jean de Damas, qui écrit en grec entre les années 724-749, est déjà très bien informé de ce qui est dit dans le Coran. Il donne des citations littérales, voire des paraphrases de passages entiers, ce qui ne l'empêche pas d'en donner une interprétation des plus improbables, parce que bien sûr, il écrit contre ce qui est proclamé. Aussi, Jean de Damas met le doigt exactement sur ce qui fait problème d'un point de vue théologique chrétien. Donc il écrit ceci, à partir de cette époque et jusqu'à nos jours, un faux prophète du nom de Mahomet s'est levé parmi eux, qui, après avoir pris connaissance par hasard de l'Ancien et du Nouveau Testament, fonda sa propre hérésie. Après s'être concilié la faveur du peuple en simulant la piété, il insinue qu'une écriture venue du ciel lui a été révélée par Dieu. Ayant rédigé dans son livre quelques doctrines risibles, il leur transmet cette façon d'adorer Dieu. Alors la suite est relativement positive. Il dit qu'il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré. Voilà en effet un point tout à fait décisif de la différence entre christianisme et islam. L'islam récuse radicalement la notion d'un Dieu père. Donc si Dieu n'est pas père, il n'y a pas de fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Selon ses dires, le Christ est le Verbe de Dieu et son esprit, tout à fait juste. Mais il est créé et il est un serviteur. Il est né sans semence de Marie. La sœur de Moïse et d'Aaron. Tout cela est assez juste par rapport au texte du Coran. En effet, dit-il, le Verbe et l'Esprit de Dieu sont entrés en Marie et ont engendré Jésus, qui fut un prophète et un serviteur de Dieu. Et selon lui, les Juifs, au mépris de la loi, voulurent le mettre en croix et, après s'être emparés de lui, ils n'ont crucifié que son ombre. Et j'en viens à cette grande accusation théologique, alors tout à fait sérieuse. Il nous appelle associateurs. Parce que, disent-ils, nous introduisons à côté de Dieu un associé lorsque nous disons que le Christ est fils de Dieu et Dieu. En effet, je crois que c'est le point focal de la différence entre christianisme et islam. Jean Damascène, qui est le dernier père de l'Église, euh, nous pouvait euh, réfléchir que euh, dans le cadre d'un certain euh, centrisme, logocentrisme. Et donc, euh, tous les autres ne pouvaient être que issus d'un certain christianisme, mais déviant par rapport au christianisme euh, le plus orthodoxe. C'est une attitude tout à fait compréhensible, parce que Jean Damascène n'était pas historien. Il a écrit le livre des hérésies, et donc, euh, c'est une attitude commune, de la même façon que les musulmans par la suite, lorsqu'ils ont classifié les sectes, ils ont classifié les sectes chrétiennes comme étant plus ou moins proches de l'islam, euh, euh, parce que il y a des divergences, mais il y a aussi des correspondances entre le, le christianisme et l'islam. Et donc, c'est une question de degré. C'est exactement la même logique qui sous-tendait la position de Jean Damascène. En plus, il ne faut pas oublier que les musulmans de l'époque de Jean Damascène étaient minoritaires par rapport au peuple de la région. Donc, on pouvait envisager qu'il ne pouvait être qu'une secte. Ajoutons à cela que Jean Damascène... Appartient à une famille de secrétaires euh, de la bureaucratie omeyyade qui a été évincée au profit de scribes et de secrétaires de chancellerie musulmans et arabes. On voit que son attitude ne peut pas être objective. Ce n'est pas l'histoire qu'il reflète, Jean Damascène, loin de là. Mais euh, il est logique que quelqu'un comme Saint-Jean puisse considérer oh, que l'islam est une espèce d'hérésie chrétienne. Et les gens du Moyen Âge chrétien, d'ailleurs à l'Ouest, ont toujours considéré que c'est au début du Moyen Âge, comme c'est si, une hérésie chrétienne. Euh... Il y a même eu des choses ridicules comme quoi le prophète était a créé une nouvelle religion parce qu'on lui a refusé le chapeau de cardinal. Mais ça, c'est la naïveté de certains de l'Occident chrétien au Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Bon, ben, c'est normal qu'ils considèrent ça comme une hérésie chrétienne. Et ils voient mal, d'ailleurs, comment un peuple du désert, que les, les chrétiens romanisés de Syrie et civilisés... Ils euh, conçoivent qu mal euh, que l'on soit sorti d'une religion euh, structurée, etc. C'est un personnage exceptionnel pour eux, ce Mahomet, euh, qui, qui a fait son hérésie comme les autres. Il y en avait, il y en avait plein. Les chrétiens étaient obsédés par la question de l'hérésie. À la fin de l'Antiquité, dresser la liste des hérésies, cela faisait partie de la dévotion des chrétiens, de leur attachement à la vraie foi portée par les apôtres. Il fallait dénoncer les interprétations fausses et non apostoliques. Jean de Damas rédige 101 chapitres. Le 101e est consacré à l'hérésie des Ismaélites. Ce lien avec Ismaël permet de critiquer la nouvelle foi d'un point de vue chrétien. Il faut bien comprendre les catégories bibliques auxquelles se réfèrent les chrétiens pour décrire ces Arabes. Ce peuple qui arrive du désert pour conquérir l'Afrique de l'Est et du Nord et proclamer une nouvelle foi, l'islam. Il faut bien comprendre la pensée des chrétiens de l'époque. Pour eux, ces Arabes sont les enfants d'Ismaël. Pourquoi Parce que dans la Bible, en Genèse 21, on a le récit d'Agar envoyé dans le désert avec son fils Ismaël, à qui Dieu fait la promesse que de sa descendance naîtra une grande nation. Quand les chrétiens, qui connaissent bien la Bible, voient arriver ce peuple du désert, ils en déduisent logiquement que c'est le peuple annoncé par la Bible, le grand peuple issu d'Ismaël, arrivant pour conquérir la terre promise. Mais les chrétiens se considèrent aussi comme les héritiers d'Abraham et de leur point de vue, c'est à eux que la terre est promise. Rien n'indique avec certitude que Mahomet voulait fonder une nouvelle religion. Pour le Coran, il achève les prophéties bibliques. C'est le dernier prophète. Le sceau des prophètes. En revendiquant sa filiation avec Abraham, Mahomet cherche avant tout à asseoir sa légitimité. Il a trouvé là une idée de génie, c'est l'abrahamisme. Puisque les chrétiens et les juifs ne veulent pas entrer dans cette, euh, on peut dire, nouvelle religion, en tout cas qui s'est commencée à se constitué à, la, à Médine, eh bien, le Prophète se réfère à ce moment-là à un ancêtre qui est à la fois un ancêtre corporel, c'est physique, c'est l'ancêtre des Arabes aussi bien que des autres, mais un ancêtre, mais un ancêtre spirituel surtout, c'est-à-dire le monothéisme premier, primordial, le vrai, euh, celui d'Abraham qui, précise le Coran, n'était ni juif ni chrétien. Et il s'étonne de ce que euh, les, les juifs, ou les gens du livre en tout cas, euh, puissent euh, le critiquer à ce sujet. Il dit, mais Abraham, euh, les chrétiens et les juifs ne sont venus qu'après, leurs livres religieux ne sont venus qu'après Abraham. Lui, il remonte donc euh, pour chercher une légitimité. C'est d'ailleurs dans des passages magnifiques. Euh, à Abraham, le père du monothéisme, et le père physique des Arabes aussi. Lui et son fils Ismaël, selon la Bible. Euh, de sorte que le concept même d'islam, c'est un concept abrahamique. the way in which Abraham appears in. Uh abraham, selon les documents juifs de l'époque du second temple, est présenté comme un patriarche, observant la torah, bien qu'il soit mort avant les patriarches, et même avant les commandements de moïse, et before moses, and the and de même, dans le christianisme, il est considéré comme le père de la foi par Saint Paul ou d'autres auteurs comme Euseb de Césarée qui, dans son histoire ecclésiastique, présente Abraham comme un chrétien. Dans l'islam, enfin, son portrait ne fait de lui ni un juif, ni un nazaréen chrétien, mais un musulman. Il me semble évident que la figure d'Abraham est devenue prototypique des trois communautés, bien qu'il n'ait pas le même visage, le même langage, ni le même costume. L'islam se considère comme étant dans le sillage de ce monothéisme israélien. Donc il appartient au même mouvement qui a commencé pour lui avec Abraham, mais même avant Abraham, à tous les prophètes Noé et Adam ce qui est, entre parenthèses, une vision mythique de l'histoire. Mais de toute façon, il se considère comme faisant partie, comme étant la continuation de cette tradition. Les versets dans ce sens-là sont très nombreux. Donc, dans la continuité du christianisme et du judaïsme. Dans la vision coranique, l'évangile, c'est la suite de la Torah. Et euh, Jésus est l'auteur de l'Évangile, enfin l'auteur et euh, celui auquel l'Évangile a été révélé comme un Coran. Donc c'est, euh, on est dans la généalogie. Donc Mahomet, il a besoin de, du maillon antérieur. Il peut pas sauter d'Abraham à lui. Il y, a, il y a Jésus au milieu. Il passe de euh, Abraham, euh, Moïse, euh, Jésus et lui. Donc Jésus, c'est celui qui le rattache à la généalogie antérieure. On est dans, dans cette optique tribale de la généalogie, la généalogie prophétique. Il y a euh, dans le Coran, euh, très nettement, ce qu'on pourrait appeler euh, un, un monoprophétisme. C'est-à-dire que tous les prophètes euh, sont présentés selon un modèle à peu près identique. Hein, euh, et même très souvent, la manière dont le... Euh, euh, la carrière des, des prophètes est souvent présentée sur, sur le modèle euh, d'une prédication, d'un avertissement adressé à un peuple, et le peuple est incrédule. Euh, et malgré la menace, la menace du châtiment, le peuple ne se réforme pas, ne se convertit pas, et le peuple est détruit. On a ce type de propos qui reviendrait régulièrement. Donc on a une conception stéréotypée finalement des prophètes qui fait que tous les prophètes ou presque sont présentés selon ce modèle là, selon ce modèle de l'avertisseur euh, qui rappelle le, bon, la clé du message, l'unicité de dieu, euh, l'imminence ou, la, ou le, la, du jugement dernier, euh, la nécessité de se convertir, d'abandonner euh, l'idolâtrie et euh, la menace du châtiment qui euh, euh, survient immanquablement quand les peuples ne se convertissent pas tous ces prophètes en gon ont raconté la même chose. Et, dès, dès, et, et dans le Coran, il y a une conception du, du prophétisme ou du prophétat aborigine mundi, dès le, ou plutôt aborigine hominis, dès l'origine de l'homme. C'est-à-dire, entendez par là, depuis Adam, pour moi, le proto-homme mythique, mais en islam, Adam, le, pre, le premier prophète. Et donc tout était déjà donné. Oui. Et tous les prophètes, avec quelques di différences, mais, ont en, en gros dit la même chose, y compris Jésus. Oui. Et donc, les, la parole ne leur est donnée que pour mieux illustrer cette constance dans la succession du prophè des prophètes. Oui. L'annonce d'une certaine conception du monothéisme. I think. Si j'arrivais de Mars pour écrire un rapport sur l'origine des religions sémitiques, j'en conclurais qu'il s'agit d'une série de mêmes croyances qui se sont développées au cours du temps. Les gens, vous savez, ils se tuent, ils sont en désaccord les uns avec les autres. Vous avez des hérésies dans le judaïsme, vous en avez dans le christianisme. Il y a des conciles et les problèmes semblent résolus, etc. C'est pareil pour l'islam. Si on prend suffisamment de distance pour regarder en arrière, c'est une même narration, et c'est ce qui est troublant et même assez drôle, même si drôle n'est pas le mot juste, c'est exactement ce que dit le Coran. Tout ça n'est que l'histoire de l'humanité liée à l'histoire de la révélation. Tout le reste n'est qu'un développement. Donc Mahomet qui prêche n'est pas différent de Jésus ou de Noé, chacun avec ses spécificités linguistiques et régionales. Tout le reste, ce ne sont que des détails. Si les Martiens devaient écrire un rapport qui commence avec la vie de Jésus et termine avec celle de Mahomet, alors l'islam semblerait une forme de christianisme. Et si le martien est bien formé, que c'est un bon linguiste, un bon historien, il ou elle, je ne sais pas s'il y a des sexes sur Mars, il ou elle dirait, vous avez des traditions compliquées, imbriquées les unes dans les autres. Dans une zone qui est grande comme ça, et cela a des répercussions dans le monde entier, en raison des connexions entre les religions et les empires. Mais Mahomet à Médine, Jésus à Nazareth, Moïse en Égypte, tout ça c'est pareil. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans, tous se placent sous la tutelle d'Abraham considéré comme le père fondateur de la véritable religion. Dernier prophète en date, Mahomet prétend restaurer le pur monothéisme. On revient toujours à cette affameuse affaire de la religion des origines. Euh, Adam était un musulman. Euh, Abraham, j'allais dire encore plus, était un musulman moïse était un musulman. jésus était un musulman. tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des musulmans. mais une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. ils ont falsifié leurs écritures. Je, je, oui, c'est déjà dans le encore et encore plus dans la, dans la tradition interprétante. Oui. Euh, par conséquent, ils ont quitté le, la vraie religion originelle, qui était la religion d'El-Fitra, de la, de la nature conforme à ce que Dieu voulait. El-Fitra, Fatara, ça veut dire créer. La nature créée par Dieu. Donc, euh, en fait, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Qui était, qui était déjà avant, qui existait déjà avant Mahomet. Au moment où. Euh, est écrit hein, le Coran, on n'a pas encore cette idée qu'en fin de compte, il y aurait plusieurs histoires de Dieu avec l'homme. Donc il n'y a pas trois religions. Donc évidemment, aujourd'hui, les musulmans considèrent que Jésus est musulman. Mais euh, Moïse aussi. Et Abraham est même le premier musulman. Donc, euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on euh, euh, nomme les chrétiens comme euh, Mouchlikin, parce que c'est péjoratif, et les juifs comme Koufar, parce que c'est péjoratif. De la même façon que les premiers chrétiens avaient transformé le judaïsme en hérésie chrétienne, le Coran transforme le judaïsme et le christianisme en hérésie de l'islam. L'islam n'est pas la religion de... Mahomet, l'islam est la religion d'Abraham. L'islam est la, la véritable religion a été révélée par Dieu à Abraham. Les Juifs l'ont perverti, puis les chrétiens l'ont perverti, et Mahomet, Muhammad, retourne à la véritable tradition de la révélation divine à Abraham, qui est la seule religion vraie. Toutes les autres Religion monothéiste étant des perversions de ce seul et unique véritable message de Dieu à l'humanité. L'islam est aussi différent du christianisme que le christianisme l'est du judaïsme. De nos jours, les gens construisent des ponts. Oh non, Jésus, Jésus est le point commun. Eh bien non. Regardez les polémiques sur le web au sujet de Jésus. Ou bien ils disent, toutes ces religions sont abrahamiques. Oui, mais Abraham est un sujet de division. Le judaïsme, le christianisme et l'islam se disputent le même territoire religieux. C'est comme se battre pour un territoire géographique. Nous voulons tous Jérusalem. Au moment où l'une des trois parties gagne le pouvoir politique, les choses deviennent violentes. C'est totalement prévisible, à 100%. Et bien sûr, cela s'est produit dans l'islam. Quand les musulmans prennent le pouvoir, Bam, la violence, l'oppression, les persécutions. Donc c'est très important de réaliser qu'Abraham et Jésus sont en fait sources de division. Et je pense qu'il en sera toujours, toujours ainsi. Traditionnellement, on considère que Mahomet... Le prophète de l'islam meurt en 632. Or, après sa mort, le nom de Mahomet que célèbrent aujourd'hui tous les musulmans n'apparaît dans aucun document écrit. Pendant plus d'un demi-siècle, Mahomet semble avoir disparu de l'histoire. Sur le site du, du Jebel-Houssaïs, qui est un, un site euh, qui se trouve en Syrie, environ 100, 120 km au, au sud-est de, de Damas, euh, nous avons un site très, très particulier qui consiste en fait en deux volcans, l'un à, à l'intérieur de l'autre. Et au sommet du, euh, du dernier volcan, celui qui se trouve le, le, le plus haut, euh, autour de la, de la corolle euh, du, du volcan, euh, se trouve environ 80 grammes. Euh, arabes. Parmi, euh, parmi ces graffitis, euh, on a bon nombre de ce que nous appelons des isolats coraniques, à savoir des versets coraniques présentés euh, simplement, c'est-à-dire sans invocation. Voilà, on a, on a le verset apposé sur la pierre sans aucune autre mention. Et parmi ces quelques isolats coraniques, nous en avons deux qui concernent strictement Jésus. Euh, clairement, dans les, euh, les graffitis les plus anciens, si vous voulez, nous, a, nous avons euh, des strates que l'on pourrait, euh, pourrait appeler des strates euh, de monothéisme pur, où euh, la, la, la seule référence au divin concerne Dieu. C'est-à-dire que nous avons la Shahada, c'est-à-dire la, la profession de foi euh, musulmane, mais nous, nous en avons uniquement la première moitié. La ilaha illallah, souvent on rajoute wahda ou la sharikalahou, et ça s'arrête là. C'est-à-dire il n'est de Dieu que Dieu, que, que Allah, euh, seul et sans associé. La, la partie concernant, bien sûr, euh, Mohamed Rasulullah et, et, et Mahomet, Mohamed et son envoyé, euh, n'est absolument pas présente. Les épigraphistes ont noté ceux qui relèvent les inscriptions, que ce soit aux portes des plus vieilles mosquées, dans les cimetières ou euh, sur des... Euh, sur des sites rocheux où euh, des, des gens qu'on ne connaît pas ont laissé des inscriptions, on remarque que la figure de Mahomet, le nom de Mahomet lui-même est quasiment absent. Euh, on trouve euh, mention euh, de l'unicité de Dieu, du fait que Dieu est allié de tel ou tel personnage, on trouve de temps en temps des inscriptions de noms de figures bibliques, on trouve Jésus de temps en temps, on trouve Moïse, on trouve Abraham, on trouve Noé, mais on ne trouve pas Mahomet. Le nom de Mohammed euh, n'apparaît pas euh, dans les documents musulmans les plus anciens. Ce sont des papyrus qui remontent à 22 de l'Egypte pour les plus anciens. Ce sont des inscriptions sur des rochers en Arabie. On en a déjà une, une bonne poignée, enfin disons 4 ou 5. Euh, ce sont des papyrus de Nessana euh, dans, dans le Negev, euh, dans le Negev actuel en, en, en territoire israélien. Euh, effectivement, disons dans tous les documents antérieurs dans, au Dôme du Rocher qui date de 72 de l'Égypte, qui date donc de 62 ans après la mort de Mohammed, donc une période pendant très longue. Pendant ces 62 ans, le nom de Mohammed n'apparaît dans aucun document euh, produit euh, dans l'Empire islamique. Alors, euh, ça peut apparaître comme un petit peu surprenant. Là, je dis 62 ans, en fait, c'est 61 ans parce qu'il est possible qu'il y ait une monnaie en Iran euh, faite par un anti-calife qui mentionne Mohammed en 71 de l'Égypte. Donc, euh, on peut raccourcir un tout petit peu, mais en fait, disons, euh, là, c'est véritablement un détail. L'apparition du prophète, c'est clairement au sein de la majestueuse inscription du dôme du Rocher de Jérusalem, une inscription de euh, 240 mètres de long, euh, en comment dire, en mosaïque dorée sur fond bleu, qui représente euh, euh, l'intrusion euh, de l'écriture arabe euh, dans la société arabo-musulmane. On choisit un monument extraordinaire euh, architecturalement que l'on place bien sûr sur l'Esplanade du Temple, au sommet. Et autour des déambulatoires, on va faire apposer sans doute par des artistes locaux cette très très longue inscription dans laquelle le prophète Mohammed va être, euh, va être cité euh, six fois. C'est en quelque sorte la présentation officielle du prophète. Nous avons euh, cinq fois Mohammed est l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse. Mohammed est l'envoyé de Dieu. En vérité, Dieu et ses gens et ses anges bénissent le prophète. Mohammed est l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et ses anges. Mohammed est l'envoyé de Dieu, etc. Si on regarde maintenant la manière dont, euh, dont la, la figure euh, de, de Jésus dans la même inscription, euh, un petit peu avant ou un petit peu après, puisque bon, je veux dire, les, les, les deux personnages euh, prophétiques vont se, vont se mêler dans, dans cette longue inscription, si on regarde la manière dont Jésus est présenté, on s'aperçoit qu'il y a une réelle construction littéraire qui n'est absolument pas présente dans la manière, manière euh, j'allais dire, très simple dans laquelle euh, le, le, le prophète est lui présenté. Euh, Jésus. Oui, le Messie Jésus-fils de Marie est le prophète de Dieu, sa parole qu'il a jetée en Marie, un esprit émanant de lui. Dans un autre dans un autre passage, un petit peu plus loin, Ô oh Dieu, bénis ton messager et ton serviteur Jésus, fils de Marie, et protège-le du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, où il sera ressuscité vivant. Le prophète Mohammed n'a pas tant d'efforts, je, je, je dirais, de la part du, euh, du personnage qui a euh, de l'auteur de l'inscription. Ensuite, nous avons une autre euh, une autre citation. C'est lui. Jésus, fils de Marie, la parole de vérité de laquelle il doute. On se serait plutôt attendu de la part d'un islam qui euh, s'installe à Jérusalem, euh, j'allais dire, on se, serait, on se serait attendu à euh, comment dire, un renforcement de la présentation du, euh, du prophète Mohammed. Or, ça reste très simple, le, le, les développements les plus intéressants, j'allais dire, euh, d'une manière rhétorique, euh, sont ceux qui concernent, qui concernent Jésus. Il faut réfléchir à l'importance de Jésus dans ce qui est la première inscription officielle au monde issue du Coran. Il y a un verset coranique avec le nom de Jésus. Cela a une signification très importante. What is the significance? It could be that you know Peut-être qu'à l'époque, le calife voulait s'adresser aux chrétiens en se référant à une tradition qui respectait leur fondateur, leur Messie. Cela pourrait être aussi l'indicateur de quelque chose d'autre, que Jésus était plus important à l'origine et qu'avec le temps, il a perdu de son importance. Pourquoi est-ce que ces inscriptions se trouvent à Jérusalem en un tel lieu C'est une question fondamentale. Cela reflète une phase historique où s'affirment les caractéristiques de l'islam, où l'on commence à comprendre comment cette nouvelle religion voit Jésus, le fils de Marie, et le prophète au cœur même du christianisme. C'est la preuve concrète que l'islam politique est arrivé à une phase de distinction vis-à-vis -vis du christianisme sur le plan politique comme sur le plan théologique. En effet, Mahomet comme Jésus sont cités comme adorateurs de Dieu et prophètes. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Le texte signifie finalement ⁇ Nous respectons les chrétiens qui sont parmi nous s'ils croient au Christ dans le sens de l'islam. ⁇ C'est une phase fondamentale pour la séparation théologique entre l'islam et le christianisme byzantin officiel puisque l'islam avait rassemblé les tribus arabes du Hijaz, de la Mecque et de Médine. Et la meilleure voie que les musulmans ont trouvée, c'est d'ancrer la nouvelle religion dans la ville sainte des chrétiens et des juifs. Paradoxalement, ce n'est pas à la Mecque ou à Médine, c'est en Palestine, à Jérusalem. La ville sainte des juifs et surtout des chrétiens que le calife Abdel Malik érige à la fin du 7e siècle le premier grand monument de l'islam, le Dôme du Rocher. Dans le judaïsme, il y avait un temple unique. Euh, l'islam a développé euh, l'idée également d'un temple unique. Et ce temple se trouvait à la Mecque. Seulement au début du règne d'Abdel Malik, il y avait un anti-calife qui s'appelait Abdallah ibn Zubayr... Qui contrôlait l'Arabie et qui contrôlait en particulier la Mecque. Et donc, un certain nombre de textes laissent entendre que Abdelmalek avait fait une croix sur la Mecque, abandonné l'Arabie à son, à son sort, et s'était dit qu'il était tout à fait souhaitable d'organiser un nouveau temple qui soit sous son contrôle politique. Et l'endroit qui s'imposait tout naturellement était l'emplacement de l'ancien temple. Donc c'est là qu'il construit le, le dôme du Rocher. Donc il y avait une sorte de basculement, c'est-à-dire alors que Mohammed, après avoir hésité, avait redonné une centralité à La Mecque, euh, Abdel Malik rendait cette centralité à Jérusalem, qui était l'orientation de la première qibla, la première orientation de la prière au moment de la fondation de la, 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 la principauté de, de Yathreb. En ce temps-là, la Mecque n'était pas encore considérée comme la capitale de l'islam. L'islam commence à la Mecque, mais a été fondé à Médine. Et vingt ans après la mort de Mahomet, les musulmans renoncent à l'Arabie et entrent en compétition avec les chrétiens et les juifs. Si vous voulez être les héritiers légitimes du monothéisme, vous devez le proclamer. Les Omeyyades ont engagé leur premier grand projet architectural à Jérusalem. Pour polémiquer avec les chrétiens, ils ont construit le Dôme du Rocher. C'était un signe très fort dans le paysage religieux. Si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, la ville est si étendue que cela masque l'importance qu'avait le dôme du rocher dans la vieille Jérusalem du 7e siècle. Par son envergure, il défiait l'église du Saint-Sépulcre. Jérusalem était la ville des chrétiens. Il y avait très peu de juifs à l'époque. Si on regarde la topographie, de, la topographie du sacré, si vous voulez, à Jérusalem au 7e siècle, on a le côté est de la ville, le mont du Temple qui est rasé, euh, qui est une façon très claire pour les Byzantins de dire que ce mont n'est plus sacré, le Temple est détruit à jamais. Alors que l'église, la basilique de l'Anastasis de la Résurrection, ce que les chrétiens d'Occident appellent le Saint-Sépulcre, la basilique de l'Anastasis, à l'ouest de la ville, est le monument le plus élevé, le plus brillant, le plus le manifestement le plus impressionnant de la ville de Jérusalem. Les musulmans arrivant à Jérusalem savent qu'ils ne sont pas chrétiens et la topographie de la ville devra refléter le changement politique et le changement religieux. Que font les musulmans quand ils arrivent à Jérusalem Ils se le demandent aussi et pour eux, que peut-on construire sur le mont du Temple sinon le Temple une idée qui leur a certainement été soufflée par les juifs, en se demandant qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu qu fait une fois qu'on est ici. Ben, on reconstruit le temple, c'est la, la, la chose normale à faire, mais à un certain moment, assez vite, certainement avant la fin du 7e siècle, les musulmans se rendent compte qu'en en fait maintenant, avec leur nouvelle identité qui s'affirme et qui se confirme, en fait ils sont maîtres de leur destin et ils peuvent très bien ne pas reconstruire le temple des juifs mais construire leur temple à eux euh, ce qu'on appelle le, le dôme du rocher. ce monument est d'autant plus étonnant qu'on a en même temps je dirais une rupture de tradition avec l'érection de ce monument sur une hauteur Puisque euh, si on prend le Coran et euh, tout ce qui concerne euh, l'affichage du religieux dans le Coran, eh bien, si vous prenez par exemple la Kaaba, euh, la Kaaba qui est le principal lieu sacré de l'islam, euh, qui était autrefois un lieu païen, euh, eh bien, la Kaaba est située dans un bas-lieu. Hein. La Kaaba est située dans un bas-fond, euh, le Coran dit que c'est le ventre de la Mecque, euh, C'est-à-dire c'est le lieu de collection des eaux près du puits. Hein. La Kaaba est située dans un lieu où il y a de l'eau. Euh, et d'ailleurs c'est de temps en temps, hein, avant que les Saoudiens fassent des travaux récents, c'était un lieu inondable de temps en temps. Hein. Euh, la Kaaba porte des pierres sacrées, donc là on a vraiment le contraire. On a pour la première fois dans le monde musulman un haut lieu. Or non seulement la Kaaba est dans un bas lieu, mais toute construction en hauteur dans le Coran. Faites par des hommes était considéré comme une offense à Dieu. Et là, on voit que l'islam est en train de changer de territoire parce que tout d'un coup, il s'affiche en hauteur. Le fait que les musulmans construisent un monument qui ressemble de certaines façons à la basilique de l'Anastasis, c'est-à-dire au Saint-Sépulcre, mais qui soit différent, est plus beau que le Saint-Sépulcre, en couleur, de, en mosaïque, entre parenthèses, construit par des ouvriers chrétiens, euh, des Arméniens. Des, les techniques sont des techniques que les, que, les, que les Arméniens connaissaient pas, les pas les, pas les Arabes du, du, du désert. Euh, le fait que les musulmans construisent une structure absolument impressionnante, et plus impressionnante, et plus élevé que l'Anastasis, que, la, que le Saint-Sépulcre, montre qu'il s'agit d'une structure antichrétienne. Il s'agit de montrer que la vérité passe maintenant par la nouvelle religion et ne, ne passe plus par la religion euh, du Christ crucifié qui était celle des Byzantins. Le calife Omar Deuxième successeur de Mahomet est le conquérant qui a mené l'islam hors d'Arabie jusqu'à prendre Jérusalem en 637. Le calife Abdel Malik établit la victoire définitive des musulmans, promeut la figure de Mahomet et impose l'islam comme religion d'État. Si on se tourne encore une fois à l'époque de, de Abdelmalek, qui est, à mon sens, pas pas seulement à mon sens, même selon beaucoup, le véritable artisan fondateur de l'islam en tant que religion institutionnelle, en tant que religion impériale. Euh, là, c'est-à-dire quand quand on voit ce qu'a fait Abdelmalek, il est le, disons, l'artisan de l'arabisation de la langue. Jusque-là, l'administration de l'empire avait deux langues, le pélévi la langue de l'empire le, de, de sassanide des, des, des perses ou le, le grec c'est-à-dire la, la langue de la, de la byzance donc c'est abdelmalek qui euh, qui arabise en quelque sorte euh, la langue de l'administration c'est-à-dire que euh, une, un, un pouvoir euh, politique doit être en même temps un pouvoir sacral Il doit avoir quelque chose de transcendantal et que euh, depuis des millénaires euh, ce pouvoir sacral doit avoir un support sous forme d'écriture. Ça ça, 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 ça remonte dans la, dans la nuit des temps. C'est-à-dire qu'une euh, un, religion ou, ou un empire ou un pouvoir qui n'a pas sa propre écriture ne peut pas être pris au sérieux. Si on en revient à Abdel Malik. Avec lui, l'Empire islamique peut s'affirmer comme une dynastie musulmane qui parle et écrit en arabe, dont le gouvernement parle et écrit en arabe, et dont les peuplades sont arabisées. So this was a time in was possible for the state to L'islam est proclamé comme religion d'État. Il était déjà en quelque sorte, mais là, il est possible de l'affirmer publiquement face aux Juifs et aux chrétiens. Que Mahomet et Jésus soient associés dans un même lieu, sur un même plan. Dénote une volonté de normalisation et d'affirmation du nouveau pouvoir. Il y avait une foi ancienne avec un prophète ancien, Jésus, qui est vénéré et respecté dans l'islam, tout comme les évangiles sont respectés par le Coran. Mais maintenant, il y a un nouveau prophète, Mahomet. Il a un nouveau message, l'islam, et un nouveau texte, le Coran. C'est pour cela que certains spécialistes affirment que c'est au cours du règne d'Abdel Malik que l'empire commence à être vraiment islamique. Les successeurs du prophète ont, ont créé un empire. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai des idées à ce sujet. Je ne pense pas que le prophète lui-même ait voulu dépasser les frontières de l'Arabie, ni même créer un empire. Euh, ses adeptes l'ont fait, probablement pour, parce qu'ils ont eu des, des problèmes après la mort du prophète avec les tribus arabes. Ils ont pensé qu'ils allaient les, les diriger vers l'ailleurs, vers l'extérieur, pour unifier leur cœur, leur, leur comportement, et de les, les, les maintenir dans la nouvelle religion, qui était toute fraîche à cette époque, puisqu'il y a eu apostasie. Après la conquête, tout a changé. C'était une situation toute nouvelle. C'est rare quand on y pense qu'une religion change si rapidement et complètement d'environnement. Imaginez si pour le christianisme, tout ce qui vient des païens s'était retrouvé en Irak, par exemple. Cela aurait complètement changé l'expansion du christianisme. C'est ce qui est arrivé au Coran et au message de Mahomet juste après avoir été délivré. Adieu à tout son bagage culturel. L'islam s'est développé dans un endroit complètement différent la première génération de musulmans nés après la conquête n'a jamais connu autre chose que ce nouvel environnement avec la naissance de l'islam, nous sommes face à un mouvement de réforme né de l'idée que la fin du monde était proche et qu'il y allait y avoir un paradis et un enfer. Ces idées se sont transformées en une hypothèse religieuse. La croyance en un seul Dieu qui rassemblerait toutes les cultures qui existaient à la Mecque et à Médine, donc les cultures juives et chrétiennes, pour sortir de toutes les falsifications, de toutes les contradictions. C'est la phase médinoise numéro un. On passe ensuite à une deuxième phase médinoise. Mahomet, en tant que chef des Arabes, est victorieux des tribus juives et annonce une nouvelle religion. Donc pour moi, on a trois phases différentes. Une prédication pour le salut et pour la foi. Ensuite, une sorte de synthèse des religions. Et enfin, une nouvelle religion qui est l'islam. On pourrait effectivement dire que... Euh, 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 Peut-être, en tout cas en partie chez certains, pas chez tous, il y a toujours des opportunistes, mais euh, la communauté, une partie de la communauté originelle qui entame les conquêtes le faisait peut-être avec l'espoir de reprendre euh, Jérusalem et euh, d'y voir le retour de Jésus. Et euh, cette activité missionnaire et euh, politique et militaire destinée finalement à préparer le terrain pour que soit accomplie la volonté de Dieu sur terre et le retour du Messie, a euh, amené, mais non pas la fin du monde, mais euh, un empire. L'islam el Malik et des Omeyades est l'islam d'un empire. Il se forme en ayant une conscience aiguë sur le plan religieux et politique de ce qu'est le christianisme, le judaïsme, le zoroastrisme. Il se constitue comme la religion des vainqueurs. Une religion qui, pour ses adeptes, doit régner sur le monde. C'est différent d'un mouvement qui chercherait à ramener les Arabes au monothéisme et à supprimer toutes les formes de polythéisme en train de fleurir. Là, les enjeux sont différents. Alors oui, l'islam du temps de Mahomet ne s'oppose pas à la tradition islamique postérieure. Il en diffère. Mais si la conquête musulmane n'avait pas été victorieuse, est-ce que l'islam comme religion et comme culture aurait existé tel qu'il existe aujourd'hui C'est ça la question. La nouvelle religion fonde son autorité sur un livre sacré, le Coran qui se veut la parole de Dieu révélée à Mahomet. Ce livre dense et complexe, original sur le plan religieux et novateur sur le plan littéraire, a une histoire plus énigmatique qu'il n'y paraît.